Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Sergent HS. Et aujourd'hui nous allons terminer la campagne des chevaliers. Donc voilà. ça fait un moment que vous l'attendiez mais bon. Du coup, chevalier, tac 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 tac. Les loups dans la bergerie. En réaliste. Allez, go. On va garder les sorts comme tel quel. Voilà. Du coup, nous allons reprendre la sentinelle. Nous l'avions laissé de côté pour prendre le Lawbreaker et la paladine. J'avais des questions. Et madame ? Madame, pourquoi cette forteresse ? À première vue, ce n'est qu'une réserve. Oui. C'est pour ça que nous sommes là. Ces barbares, ils ont l'air d'honnêtes gens. Pas vrai? Bah c'est un clan quoi, donc oui. Ils se soutiennent mutuellement, comme s'ils n'étaient qu'une famille. Mais ce n'est qu'une façade. Hein? La nuit tombée, ils se sautent à la gorge, tout comme nous. S'il y a des loups parmi eux, ne faut-il pas les libérer? Bon, ça d'accord, je suis d'accord. Faut libérer les guerriers. J'avais de nouvelles questions. Cette fois, les réponses tarderaient à venir. Ouais, c'est pas pressé. Donc vous voyez, là, on a un bélier à protéger. Le périmètre orange autour, ça veut dire que c'est contrôlé par mon équipe. Si un peu se met dedans, il va essayer de tuer les péons qui le poussent en fait. Mais l'intégrité exige le doute. Tiens, prends ça et puis ça. Meurs, Charbonne, meurs. Tiens. Vers la tête. Voilà. Je ne pouvais rien faire d'autre que protéger le bélier. Donc voilà, ils vont essayer de tuer ces petits péons là. Notre but c'est de protéger les péons en gros. Ah voilà, il y en a un qui vient de s'accoster. Aïe. Et ça comme vous venez de voir, c'est une contre-attaque en fait. C'est une spécialité du paladin. Enfin de la sentinelle. Voilà, meurs. C'est lorsqu'on lui fait une attaque verticale, il peut la contre-attaquer et faire une attaque rapide dessus et ça fait des dégâts monstrueux en fait. Allez, on va déblayer un petit peu les pigus là devant. Oh là là, l'autre il s'est pris une flèche devant moi, c'était dégueulasse. Aïe. Ah mais tiens, toi je t'ai pas vu, désolé copain. Tiens, tiens, ah, le bélier est attaqué. Ils attaquent les servants. Oh mais non, c'est des petits pégus, ils les attaquent pas. Aïe. Toi tu m'attaques pas en traître. Respect. Ouh, merci copain. Tu l'as intercepté, c'est bien. Ah merde. Deux fois qu'il me sauve la vie, il est sympa ce pégu. Voilà, dégage. Faire des exécutions, ça vous avez déjà vu comment faire les... Oula, j'ai fait couper en fait. Vous avez déjà vu comment on fait les exécutions? Nous étions en plein territoire ennemi. Ah là, meurs. Mais nous ne pouvions qu'avancer. Il va bien y avoir quelqu'un qui va vouloir attaquer là, non? Non? Ah si. Une lancière. Alors ça, j'aime pas les lancières. Aïe, 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 tu me fais chier. Viens. Orc. Là tu piques, là tu piques, t'es gentil, tu m'attends un peu, voilà, je me soigne. Aïe.
Oh lolo. Ah, ça veut pas passer, hein. Elle veut pas que je la chope, hein, la saloperie. Tiens. Meurs, chienne. C'est bon. Donc vous voyez la vie du bélier en haut à gauche, en fait. Là, pour l'instant, il est full, donc ça le fait. Tant qu'il n'y a pas de héros ennemi qui va dessus. Tiens, il y en a un qui est pas loin, là. Il est là. Non, c'est pas toi. C'est lui, là. Ah, je suis là parce que là ça pique quand même. Tu me saoules là. Tu sais que tu me saoules, péon de merde. Aïe. Aïe. Oh. Ah bah merci, merci, mais bon, j'aurais bien aimé le tuer moi-même, quoi. C'est bon, ça avance, ça avance. Heureusement que j'ai le sort de pour se healer, parce que sinon ça aurait été la merde. Voilà, faut jamais baisser sa garde. Ah, le bélier est attaqué. Y'a un héros dans le coin. Il est où? Ah, il est là. Encore une lancière. Fais chier les lancières là. Le bélier touché, hein, faut vite défendre, ouais d'accord. Ça c'est en fait c'est des petits péons qui le bloquent en fait. Hop 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 hop. Non. Ah, saloperie. Meurs poufias. Un ennemi en moins. Voilà. Bon, en avant. Meurs toi aussi. Meurs, chien. Allez là, laisse-toi mourir. Oula, le bélier, qu'est-ce qu'il a pris dans la gueule. Là, vous voyez, le bélier, il est sacrément mal au point, quoi. Il y a quelqu'un dedans, quoi. Contester. Contester. Ah, d'accord, c'est qu'il y a un héros derrière qui est en train de tabasser mes péons. Par de mes deux. Vas-y, vas-y, viens, tape, tape. Ah merde, j'ai pas pris de ce côté là en fait. Oh, 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 oh. Oh, t'es de la violence là. Sois gentil. Tiens. Meurs connard. Oh, qu'est-ce que tu m'as mis dans la gueule et qu'est-ce que t'as mis dans le bélier quoi. Il tient à peine le bélier. Là faut pas faire de boulette et faut pas oublier le bélier derrière. Protéger le bélier. Y'a un héros derrière. Non, c'est juste les péons qui bloquent. Mourez, mourez, mourez. Voilà, faut faire une ligne. Un front, faut le reculer là. Faut reculer le front. Dégagez, voilà. Asvergarde, nous savions que dès le lendemain, le port grouillerait de drakkar et que leur armée nous anéantirait. Je comptais être parti. Voilà. Nous allons les bouler de toute façon. Ce sera fini très largement plus tôt qu'avant que leur drakkar se pointe. Là. C'est bon, ça continue à avancer. Ça continue à avancer. Ça va. Ça progresse. Dégagez. Dégagez. Dégagez, dégagez. Voilà. Nous devions protéger le bélier et nous en servir pour enfoncer la porte. Nouvel objectif, d'accord. Libérer le bélier. Allons-y. Il n'est plus qu'à l'activer. Oh, tiens, dans ta gueule. C'est bloqué. Là-haut, ok, j'y vais, monsieur. Prépare-toi à réactiver le bélier quand il faudra. Oui.
Lui, il est beau gosse, lui. Viens là, mon Jarl. On va parler, mon gars. Commencez le duel avec LT. Goodmunder, le légendaire chef de ce fort. Vas-y, viens. Hop, 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 hop. T'essayes de me prendre pour une bite, toi. Par contre, c'est un putain de sac à PV, quoi. Ah merde. Aïe, ouïe, aïe. Tiens, votre toit comme une merdasse. Ah, toujours il me le place, ce coup. Aïe. Ah, dépuisé. Faut profiter à chaque fois qu'il est épuisé. Faut le faire tomber, retomber, re-retomber. Et tu le boules à terre. Allez, viens. Non, tu me le places pas cette fois. Bah. Mais t'es con, monsieur, si tu fais ça. Moi, je te chope et je te boule la gueule après. Ah. Oh shit. Baroulade. Baroulade. Aïe. Oui. Ah, tu tombes avec une armure aussi lourde que ça. Là t'es plus que sonné là. Là c'est sûr que t'es dans les vapes pendant un bon moment, quoi. Madame. Relève-toi. Oui madame, tout de suite. En avant. Notre intrusion signait l'arrêt de mort du King. N'était-ce pas la raison de notre présence? Tu compares, toi? Tu me compares? Les forteresses, j'en avais déjà. C'est qui le papa ici? Alors pourquoi ce trouble? Aïe, 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 d'accord. J'ai compris. Non, j'ai compris, Zen. Ah, t'es fatigué. En plus, je viens de voir un truc sur le côté, là. Il y a des pics. Aïe. Je veux absolument lui placer le placer dans les pics. Voilà, voilà, fais pas le tirer, bon. Dégagez. Il n'y a pas de garnison. Il n'y a pas de garnison, exactement, c'est... Nous aurions pu venir à bout de ce portail avec un... C'est un peu sans honneur, là. Mais il aurait fait... Je suis Apollyon. Ah, d'accord, oui. Je viens donner une leçon. Tu viens donner une leçon? Voilà trop longtemps que les proies apeurées parmi les Vikings colportent leur paix mensongère. Cette époque est révolue. Crevez les péons. Vas-y, viens, madame. Approche, approche. Avance un peu plus. Ah, bon, bah, on va descendre, alors. Aïe, aïe. Tu te calmes. Tu te calmes vite. Je vais t'apprendre la vie, moi. Je vais t'apprendre la vie, madame. Aïe. Eh, je commence à connaître tes combos maintenant, hein. Faut pas déconner. Bon bah si tu veux faire que de l'attaque comme ça, y a pas de soucis, hein. Aïe. Aïe. Aïe, celui-là, non, je le connaissais pas trop, hein. Pff, elle s'est fait tuer par un pauvre Pégu. Pauvre de toi. Je pleurerai sur ta tombe ou pas. Allez, en avant. Baroulade. Ah, lui, il a une meute de loup à ses ordres. Bah, ça va chier. Alors, il y a round 2. Prépare-toi, Amori. Le bête, quoi. Même pas d'honneur, tu viens même pas me taper en 1v1, quoi. Aïe, 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 aïe. Ah ouais. Aïe, 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 mais calmez-vous, les loups. Calmez-vous bien. Ah, saloperie. Abandonne. Inutile de faire souffrir ton clan. J'ai compris l'astuce. Vous venez à droite, je protège à droite. Mmh.
Bah viens le loup. J'attends que... En fait j'attends le loup là. Voilà. Mais non que t'as plus de loup. Ah parlez copain. Moi aussi je sais faire, t'as vu. Sauf que moi je suis un bourrin et pas toi. Mais oui, protège-toi, c'est une bonne idée. Ah, il a raflé des loups, je crois. La légende te précède, Goodmonder. T'as pas de race, hein. Ah, laisse-moi taper, je suis en vénère. Oh, je suis triste. Vas-y le loup, pointe-toi. Culé de loup. Culé de loup. Aïe. Tiens, tu veux faire des combos? Je vais te mix-up la tête, moi. Ah, ah merde, mais tu viens d'où toi? Oh. Ah lâche-moi con de loup. Voilà, t'as vu? C'est qui le patron? C'est qui le patron? Je jette comme une merde à travers la porte moi. Mais reste, viens te taper. Tu crois que c'est ces trois pégus qui vont m'arrêter? T'es sérieux? Voilà, ils existent plus tes péons. Au je suivant. Je sais maintenant ce qui me hantait alors. Vas-y, tape-moi. Tape. Voilà, meurs, charogne. Laissez passer. C'est pas des petites boosts pareilles qui vont m'arrêter. Nous n'avons pas le choix. J'étais dans le mauvais camp. Ah ouais, d'accord. Ils ont fait cramer son campement avec avec tout le monde dedans quoi. C'est pas honorable du tout. C'est quoi ce combat à la con là? Elle est rauque son épée. Elle est magnifique. Par contre là ouais voilà. Viking. Tant qu'à mourir, on sort par la grande porte mon gars. Yeah. Ah ouais non mais là pour le coup tu me l'as pas fait comme d'hab. Ça, là je comprends. T'es un vénère. Ah merde, je me suis trompé de touche. Aïe. C'est que tu piques quand même hein. J'ai décidé de pas me heal là. C'est un combat 1v1. Oh putain je me suis vautré. Ah. Pas de câlin on a dit. Tiens, tu vas mourir. Oh. Recule. Coriace ce petit viking quand même. Là tu vois ça c'est... Vous voyez ça c'est des personnages pour qui j'aurais du respect. Parce qu'il a combattu Va donc avec, en enfer. Avec de l'honneur bien fort. Tout ça c'est beau. C'est beau.
Par contre, ouais... Je me sens sale. Je me sens sale. Pitié. Oui, c'est son petit nom. Ça s'appelle Merci, mais bon, en français, c'est pitié, c'est pourri. Tu le sais très bien. Je préfère Mercy. On les affame. C'est là qu'ils stockent leurs céréales. Il n'y aura pas d'autres récoltes. Ah d'accord, en fait c'était... D'ici l'hiver, ils s'entretueront pour s'approprier le peu qu'il restera. Le Jarl est à genoux devant le truc où ils avaient mis toutes leurs céréales et tout ça, d'accord. Il avait compris que ça va être la merde. J'ai juré de combattre. Pour la paix. Toi aussi. Vous tous. Ah, je l'adore ce perso. Il a vraiment un état d'esprit qui est honorable, voilà, tout simplement. Hey. C'est vivre. Pourquoi est-ce qu'on ne brûle pas tout ? À ton avis, qu'adviendrait-il des clans si nous le faisions ? Ils mourraient... de faim. Ils finiraient. Mais si nous leur laissons juste de quoi en nourrir deux ou trois, ils s'entretueront pour avoir les restes. Oh, c'est carrément pute. Parmi eux s'éveilleront. C'est carrément plus ce qu'elle fait, elle. Nous ne venons pas pour les tuer, mais pour leur révéler leur véritable nature. Les libérer. Il est temps de rentrer. D'accord. En gros, elle n'est pas là pour les chevaliers, elle est là pour la guerre, simplement. Donc bah voilà, la dernière mission des chevaliers. Imbloquable niveau 2. La dernière mission des chevaliers qui est terminée du coup. Hop. Du coup, il nous reste la campagne des barbares à faire. Et ça, je vous le mettrai dans le prochain épisode de For Honor. Allez les amis, bye bye tout le monde.